Bonsoir tout le monde et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Très content de vous retrouver pour celle-ci. Alors il est tout à fait possible que vous veniez de la vidéo de ma première chaîne. Et si c'est le cas, bah coucou, bienvenue à vous. N'oubliez pas de vous abonner à la fin de celle-ci, ça me ferait extrêmement plaisir. Et posez le petit pouce bleu bien sûr. Et bien comme je vous l'avais teasé dans la vidéo aujourd'hui, nous allons parler de ceci. Un magnifique écran CeForce. C'est un objet de gamer, on est totalement dans le thème. Alors c'est pas une tablette hein, malgré les apparences, c'est bien un écran. Non parce que vous voyez qu'il peut se déplier comme ceci, tout comme une petite tablette. Enfin plutôt comme une grosse tablette pour le coup. Mais ce n'en est absolument pas une. C'est un écran comme un écran de PC, comme un écran de télé, qui se branche sur le secteur ou bien qui peut être alimenté via une petite batterie externe. Et ça franchement c'est super cool. Bon là vous pouvez voir les traces dégueulasses de doigts qu'il y a dessus. Il faut que j'y passe un petit coup de chiffonnette quand même. Donc c'est un écran ultra fin qui fait à peine 5 mm d'épaisseur. Oui oui, 5 mm. C'est un écran portable bien sûr. Un écran ultra léger, complètement tactile. Il fait 15,6 pouces pour une résolution de 1080p et 144 Hz de rafraîchissement. Donc par exemple si vous branchez un PC dessus ou quoi, parce qu'il me semble pas qu'une console est capable de faire tourner un jeu à 144 images par seconde. Après peut-être allez-vous me dire que ça dépend des jeux, c'est tout à fait possible. Au niveau de la qualité d'image, vraiment, c'est une dinguerie. L'écran a une superbe résolution, des superbes couleurs. Il est totalement paramétrable en tactile directement sur l'écran. Vous pouvez régler, bien sûr, la lumière. Vous pouvez régler le son parce que oui, vous avez des enceintes intégrées sur cet écran. Et franchement, ils sont plutôt de bonne qualité. Disons que pour des enceintes intégrées, ça fait plutôt bien le taf. Alors après, sa fonction première n'est pas forcément de jouer à la console dessus. Hein. Vous pouvez très bien vous en servir comme moniteur de caméra. Moi, je m'en sers beaucoup comme ça. Ou bien pour faire du montage sur un PC portable par exemple, pour avoir un deuxième écran par exemple, il est très léger, il est portable, ce qui va permettre de ne pas vous encombrer. Bon moi j'avoue que je l'ai pris pour cette fonction parce qu'il va me servir principalement à ça. C'est vrai qu'à chaque fois que je bouge, j'emmène toujours mon PC portable pour faire du montage ou des vidéos, j'emmène toujours un deuxième écran à côté parce que je trouve ça toujours plus confortable d'avoir une prévisualisation sur un autre écran et comme ça vous pouvez consacrer l'écran du PC portable totalement au logiciel de montage. Après bien sûr vous pouvez vous en servir pour le gaming, vous pouvez brancher une Nintendo Switch dessus, vous pouvez brancher une PS4, une Xbox, vous pouvez brancher absolument toutes les consoles que vous voulez. Vous pouvez même brancher votre portable, ce qui va vous permettre de transformer cet écran en grosse tablette tactile en fait. Bon après, est-ce vraiment nécessaire sur ce point de vue? Je vous laisserai juger. Mais après, c'est vrai que pour ma part, je pense que la fonction principale est la meilleure. C'est un deuxième écran pour faire du montage sur un PC portable. Disons que c'est comme ça que je vais m'en servir le plus. Bien sûr, quand la période de confinement se sera terminée, si elle se termine un jour. Parce que comme tout le monde, je bouge pas beaucoup en ce moment, hein. Même pas du tout en fait. Et oui, il faut prendre son mal en patience, on s'occupe comme on peut. Alors pour ma part, je fais pas mal de vidéos, pas mal de lives, donc n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs. J'ai également la petite chaîne Twitch dans la description. Et puis tous les réseaux sociaux comme d'hab, hein, Facebook, Instagram, Twitter, tout est dans la description. Alors comme je vous disais, le truc qui est plutôt sympa avec cet écran, c'est que vous n'êtes pas obligé de l'alimenter sur secteur. Vous pouvez très bien l'alimenter avec une petite batterie externe comme ça. Et j'avoue que franchement c'est plutôt cool parce que ça t'évite de t'encombrer avec plein de trucs, ça t'évite de mettre des câbles partout. Sinon comme vous pouvez l'apercevoir dans les images, vraiment la qualité de l'écran est très belle. Les couleurs sont super, l'écran est très lumineux. D'ailleurs vous avez une fonction pour passer en mode nuit ou bien en mode jour. Donc en fait comme un téléphone portable, ça va vous permettre d'avoir des couleurs plus chaudes qui vont être moins agressives pour les yeux. Et donc moi personnellement j'ai essayé ça avec la Nintendo Switch et j'ai vraiment été surpris que ce soit aussi cool. Donc l'écran bien sûr n'est pas livré seul, il est dans une petite boîte très sobre. Vous avez trois connectiques sur le côté, dont une connectique pour une prise HDMI. Alors ça va être une prise mini HDMI vers HDMI. D'ailleurs le fil est fourni avec. Vous avez deux entrées USB type C. Le fil est bien sûr fourni avec. Alors par contre un point négatif, c'est qu'il n'y a pas d'alimentation fournie avec. Il y a un fil mini HDMI vers HDMI, un fil USB-C vers USB-C et une chiffonnette. Et bien sûr l'écran qui est dans son petit écran vraiment magnifique. De l'autre côté vous avez une prise jack en 3.5 pour brancher par exemple un casque ou des écouteurs. Vous avez une prise micro USB et vous avez le petit bouton pour allumer l'appareil. À l'arrière de l'écran, vous avez une cale qui va vous permettre de le disposer de manière à ce qu'il tienne bien droit. Et bien sûr, pour renforcer la stabilité, vous pouvez ouvrir la housse et la faire tenir comme une tablette classique en fait. Au niveau du poids, l'écran est vraiment très léger. Il pèse 990 grammes, donc c'est même pas 1 kg en fait. Vous voyez, quand je vous dis que vous n'allez pas vous encombrer, vous avez vu l'épaisseur du truc. Par contre, il faudra faire attention à pas le faire tomber. Forcément, qui dit très fin, dit très fragile aussi. Va faire tomber un iPhone X et un Nokia 3310, tu verras lequel va s'en sortir. C'est tout à fait normal. Avec ceci, CeForce m'ont livré un CF003S, un HUB multifonction, que je vais bien sûr vous présenter également. Donc, tu ouvres la boîte, à l'intérieur, c'est fait comme ceci. À l'intérieur, nous avons un petit fil USB-C vers USB-C, mais très court. Et donc, voici la bête qui va permettre vraiment plusieurs connectiques.
Vous avez deux ports, trois ports USB 3.0, deux ports USB-C également et un port HDMI. Donc ce qui va vous permettre de brancher des consoles, des téléphones. Vous pouvez brancher absolument tout type d'appareil avec ce petit HUB. Au passage, qui est plutôt très joli et très sobre. Oui, bien écoutez, je pense que je vous ai bien présenté ces deux appareils. En tout cas, merci encore une fois à C-Force, ça fait très plaisir. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous mets même un petit coupon de réduction qui s'affiche en bas de votre écran. Vous l'avez également dans la description. Vous aurez tous les liens en bas. Moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Et ciao tout le monde, bye!